C'est bon. Bonjour à tous. Petit conseil du jour, savoir se replacer. Je ne vais pas parler technique, mais simplement, quel que soit votre niveau, ce qui va être très important, c'est de vous replacer au bon endroit, au bon moment. Et le replacement va se produire entre la balle que vous venez de frapper et la frappe adverse. Tout se joue là. Maintenant, où se placer? Voici plusieurs exemples. Replacement situation numéro 1. Vous êtes au fond de court, votre partenaire est au fond de court. Vous êtes ici, vous avez décidé de jouer croisé. Là, votre zone de replacement va se trouver légèrement à gauche, très centrale. Toujours sur la bisectrice des possibilités des coups joués par votre adversaire. Par contre, si lorsque vous êtes là, vous jouez, décidez de jouer le long de la ligne, votre zone de replacement sera un petit peu plus loin, sera à droite du trait central. Simplement, si vous jouez, vous êtes au centre, vous jouez au centre, là, bah, vous n'avez pratiquement rien à faire, là, vous êtes là, bien replacé. Deuxième situation, vous sentez que vous avez mis en difficulté votre adversaire, vous sentez qu'il ne peut plus faire grand chose avec la balle. Là, conseil important, vous rentrez à l'intérieur du terrain, vous êtes à l'affût de la balle courte, et si la balle est courte, vous pouvez ainsi prendre la balle plus tôt. Par contre, le cas où vous avez été vous-même en difficulté, vous donnez une balle courte, là c'est le moment de reculer légèrement pour vous donner un peu plus de temps pour intervenir. Placement à la volée, replacement à la volée, c'est très simple. Vous suivez toujours votre balle. Si vous montez au filet vers votre gauche, votre zone de placement doit être sur votre gauche. Si vous attaquez au centre, au centre. Si vous avez attaqué sur votre droite, à droite. Et là, vous bloquez au maximum les coups, les possibilités de coups de votre adversaire. Et dernier point, en profondeur, où se placer par rapport à ce filet, ne soyez pas naturellement trop près, vous êtes exposé au lob, ne soyez pas trop loin, quand je dis trop loin, c'est au niveau de la ligne du carré de service, parce que là, vous risquez que d'avoir des volées difficiles et des volées difficiles à conclure. En général, ce qu'on conseille déjà dans un premier temps, c'est de vous mettre à mi-distance entre ce filet et la ligne du carré de service. À vous de jouer, les coups deviendront plus faciles et vous gagnerez plus de points. Bonne chance !